see we did a photograph here. All right. A380-800 presented for us today by Airbus test pilots Christophe Kai and John Chaplin, who will operate this whole presentation of the aircraft in a configuration that those of you who are technically interested in aircraft may wish to know. There are four positions for the ailerons on this aircraft, and the presentation is carried out with the aircraft in the number three flap charisma. There are four engines, Engine Alliance or Rolls-Royce engines, each of 70,000 pounds of thrust, which endow this remarkable aircraft with a silent and smooth and elegant trajectory. L'A380 est donc un avion de ligne géant, vous le savez, un quadrimoteur qui en particulier possède des commandes de vol électriques et une structure extrêmement aéroélastique, une aile qui est extrêmement souple par exemple. Et si vous avez de bons yeux ou si vous avez des jumelles par exemple, vous pouvez voir travailler les commandes de vol de cet avion, regardez l'arrière de l'aile, le bord de fuite de l'aile. Et pendant toute la présentation, et surtout quand on verra l'avion par derrière, vous verrez que les gouvernes, les ailerons, dansent dans tous les sens, se lèvent, se rebaissent à des vitesses parfois assez incroyables. On voit des commandes qui s'agitent, on voit un peu à la manière des rémiges d'un oiseau, des plumes de l'extrémité de l'aile des oiseaux, ces plumes qui sont toujours en train de s'agiter pour effectuer une micro-correction, bien ça se passe pareil sur les avions modernes, comme celui-là, donc on peut dire que quelque part il copie la nature, il s'en inspire en tout cas, et le résultat c'est un avion d'un confort de vol absolument extraordinaire. The flying display demonstrates the A380's maneuverability and the ease with which the A380 can be flown. If you have binoculars, watch the rear edge of the wings, where you'll see something that the Airbus engineers call the waltz of the ailerons. The fly-by-wire control system, providing slightly different timing to the various control surfaces in response to the pilot's demand for control.